Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans le programme Pray and Worship Time. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et nous vous disons sincèrement merci pour vos appréciations et encouragements. Et tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de prier pour nous, de prier pour ce programme, et afin que l'Éternel de Dieu puisse accomplir ce qu'il a comme mission au travers de ce programme. Et nous croyons que le bon Dieu nous fera tous énormément du bien, parce que c'est lui que nous avons comme fondement, c'est lui que nous avons comme notre refuge. Alors, sans plus tarder, je voudrais que vous puissiez vous concentrer vraiment en prière pendant ces moments, pendant ces quelques moments que nous voulons prier, adorer le Seigneur et aussi partager sa parole. En psaume 127, le premier verset, je vais lire, il est écrit ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel n'est bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je voudrais que ce passage puisse vous interpeller. Peut-être que vous l'avez déjà lu plus d'une fois. J'aime bien quand la parole du Seigneur revient de temps en temps. C'est un message pour nous, c'est un rappel. Peut-être que tu étais en train de porter espoir dans tes biens, porter espoir dans ton travail ou dans tes projets. Mais l'Éternel Dieu te rappelle une chose aujourd'hui, selon laquelle vous nous recevez le matin ou la soirée. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc dans tout ce que nous faisons, si l'Éternel n'est pas avec nous, tout ce que nous faisons est en vain. Et je voudrais que l'on se focalise plus sur la dernière partie. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions prier pour la protection. Ce qui veut dire la meilleure des protections, ce n'est pas notre armée qui peut nous la donner. La meilleure des protections qu'un parent peut donner à la famille, ce n'est que Dieu qui peut la donner, car c'est lui le bon gardien. Je voudrais que nous puissions tourner nos pensées vers Dieu, demander à ce que l'Éternel Dieu puisse nous protéger. Que Dieu nous protège. Si l'Éternel ne protège pas, c'est lui qui protège en vain. La véritable protection, c'est Dieu qui la donne. Ainsi, je voudrais, partout où vous êtes, que vous puissiez vous rejoindre à nous, afin que nous puissions implorer la protection de Dieu, afin que nous puissions demander à Dieu de nous protéger. Nous ne demandons pas la protection seulement par rapport au moment que nous traversons, mais nous demandons la protection de Dieu à chaque jour de notre vie, pendant que nous respirons, parce qu'il est écrit que le diable, l'ennemi, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Alors, si nous ne nous appuyons pas sur la protection de Dieu qui va nous protéger, je voudrais que nous puissions prier. Et avant cela, nous allons dire merci à Dieu. Alléluia. Tendre Père, nous te disons sincèrement merci. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour la force qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour ta famille. Merci Seigneur. Dieu de paix, merci. Merci pour ta grâce, Adonai. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta sainte miséricorde. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci, ô Dieu,
parce que tu ne nous as pas laissés. Tu es avec nous. Dans n'importe quel moment, bon ou mauvais, Seigneur, tu es avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, Shiloh. Toi, le bon berger. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur. Nous avons notre espérance en toi, Seigneur. Parce que nous savons, celui qui protège plus que les hommes de ce monde, c'est toi. Protège-nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Dieu de paix, merci. Le Dieu de grâce, merci. Merci, ô Dieu, pour ton amour infini. Tu n'as pas regardé nos insuffisances, Seigneur. Tu n'as pas regardé nos péchés. Tu n'as pas considéré, ô Dieu, nos péchés, Seigneur. Et tu continues encore à nous aimer. Merci, Dieu de grâce. Sabaoth, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour le bien que tu cesses de faire pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci toi qui a abandonné son trône de gloire. Et tu as accepté de porter la chair humaine et descendre sur la terre des pécheurs afin de mourir. Tu as pris notre place, ô Dieu. Merci pour ton amour. L'amour qui ne peut être donné ni par nos parents, ni par nos frères, ni par nos amis. L'amour inconditionnel. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Sabaoth. Ton amour est plus précieux que tout, Seigneur. Merci pour cela. Ta protection est plus précieuse que toute chose. Merci pour cela. Merci Jésus. Merci mon Seigneur et mon roi. Yahweh. Merci Jésus. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci ô Dieu pour ces moments merveilleux que tu nous accordes, ô Dieu, de venir ensemble au devant de toi. Merci Seigneur, car nous croyons que tu es avec nous. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je voudrais toujours dans cette attitude de prière, je voudrais maintenant que tu puisses prier pour la protection. Nous allons prier pour la protection, que Dieu nous protège contre le plan du malin. Tant que nous respirons, tant que vous respirez, tant que vous êtes en vie, le diable ne vous laissera jamais tranquille. Il fera tout ce qu'il peut. Il appliquera tous les moyens possibles afin de déranger tout ce que vous avez comme programme, afin de déranger les plans que vous avez pour votre vie, pour votre famille. Le diable cherchera à les faire. Mais qui peut nous protéger contre le plan du malin si ce n'est que Dieu? Qui peut mieux combattre à notre place si ce n'est que Dieu? C'est pourquoi je voudrais, bien aimé, que nous puissions prier pour la protection contre le plan du malin. Dis à Dieu, Seigneur, protège-moi. Dis à Dieu, Seigneur, protège ma famille. Prie que le bon Dieu nous protège, qu'il protège tes affaires, que Dieu protège ton travail, que Dieu protège tes projets, que Dieu protège ta santé, que Dieu te protège, bien-aimé. Qu'il te protège, qu'il te garde, qu'il te préserve de toute chute. Prie que Dieu nous protège. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Les bons bergers, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui garde contre tout le plan du malin. Ma Jésus Christ. Jesus. Seigneur, protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Nous venons vers toi, ô Dieu, parce que nous savons que la protection n'est ni dans le bien que nous avons, n'est ni dans l'armée de ce monde,
n'est ni dans le gouvernement de ce monde, mais la meilleure des protections est entre tes mains. Voilà pourquoi nous nous humilions, Seigneur. Nous venons vers toi, ô Dieu de paix, cherchant la protection divine. Dieu, protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Protège mon frère. Protège ma sœur. Protège-nous contre le plan du malin. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, ô Dieu. Nous sommes limités dans nos efforts. Nous sommes limités dans tout ce que nous pouvons faire. Et la réalité actuelle a montré, a prouvé le monde entier que nous sommes limités dans tout le plan. Il n'y a que toi qui es illimité. Ainsi, nous venons devant de toi cherchant la meilleure des protections. Seigneur, protège mon frère. Protège ma soeur qui m'écoute pendant ce moment, qui nous suit pendant ce moment. Protège nos bien-aimés. Protège ton chacun, ô Dieu. Protège nos frères. Protège nos soeurs, ô Dieu. Contre le plan du malin. Ô Dieu, garde-nous, Seigneur. Préserve-nous, ô Dieu. Les armes de ce monde échouent. Le plan de ce monde échoue. L'argent ne peut pas nous protéger. Le bien que nous avons ne peut pas nous protéger. Nous savons que la meilleure des protections est entre tes mains. Voilà pourquoi nous prions Dieu. Nous te demandons, Seigneur, nous disons, Seigneur, protège-nous. Protège-nous, Dieu de grâce. Protège-nous, Sabaoth. Si tu ne gardes pas, ô Dieu, tu garderas. Il est écrit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous. Tout ce que l'ennemi veut, il veut nous voir échouer. Il veut nous voir pleurer. Il veut nous voir en train de se lamenter. Il veut nous voir en train de pleurnicher. Seigneur, garde-nous. Garde mes frères. Garde mes sœurs, garde, ô Dieu, nos familles. Nous avons besoin de ta protection. Au nom de Jésus, alléluia. Toujours dans cette attitude, bien-aimé, je voudrais que tu pries encore pour la protection de Dieu. Que l'Éternel Dieu protège ta famille, qu'il protège tes enfants. Prions pour la protection de tous les membres de nos familles, la protection de nos enfants. Prions pour la protection de nos frères, la protection de nos sœurs, la protection de tous ceux qui sont autour de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous prions pour toutes les familles, ô Dieu. Protège-nous, protège nos familles, protège nos frères, protège nos sœurs. La meilleure des protections, c'est toi qui la donnes. Protège-nous, Sabaoth. Alléluia. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu une protection, la protection de ta famille, la protection de tes enfants. Ne pense pas que c'est ce que tu fais là qui protège tes enfants, non. C'est Dieu qui les protège. Prie, partout où tu es, prie. Demande la protection de Dieu sur tes enfants, sur ta famille, sur tes soeurs, sur tes frères. Prie au nom de Jésus-Christ. Place la foi dans la prière que tu es en train de faire. Place la foi dans cette prière. Elle portera des fruits, certainement. Protège-nous, Jésus. Alléluia. Marie, Kodobo, Chimis. Le Dieu qui garde et protège. Non, Masekesh. Garde-nous, Jésus. Garde nos frères, garde nos sœurs. Garde nos amis, Seigneur. La meilleure des protections, c'est toi qui la donnes, ô Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons devant de toi. Prions à ce que tu nous protèges. Prions à ce que tu nous gardes. Alléluia. Pendant ce moment, tout ce dont nous avons besoin, c'est toi. La meilleure des protections que nous pouvons désirer pendant ce moment, c'est ta protection. Dieu de paix, protège-nous. Adonai, garde-nous. L'ennemi cherchera toujours à nous voir par terre. Il cherchera toujours à ce qu'on échoue. Seigneur, garde-nous. Protège-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
Alléluia. Alléluia. Protège-nous, Seigneur. Protège nos familles. Protège nos enfants. Je prie pour les petits-enfants, pour les enfants, oh Dieu. Seigneur, protège-le. Même ceux-là qui ne sont pas encore nés, qui sont encore dans le ventre de leur mère. Je prie, oh Dieu, que tu les protèges. La meilleure des protections vient de toi, Seigneur. Yahweh protège. Nous te prions, Seigneur. Nous t'en supplions, oh Dieu. Au nom de Jésus. Sabaoth, Dieu des grâces. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous voulons maintenant adorer le Seigneur. Je ne sais pas si Dieu... Je ne sais pas ce que Dieu représente pour toi. Je ne sais pas ce qu'il représente pour toi. Mais je voudrais te rappeler juste une chose. Il représente le souffle de vie que tu as. Il représente la force que tu as. Si tu te réveilles le matin, c'est parce qu'il l'a. Il l'a permis. Je voudrais que tu l'adores. Adore-lui pour le souffle de vie, pour la force, pour tout. Il mérite l'adoration. Il mérite notre adoration. Il continue encore à nous garder. Il mérite notre adoration. Élève encore ta voix bien-aimée. Adore le roi de grâce. Shiloh, merci. Sois adoré, sois élevé, Seigneur. Qui est comparable à toi, Emmanuel? Le Dieu puissant et glorieux. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Quand tu déclares, personne ne peut renverser ta déclaration. Quand tu écris, personne ne peut effacer. Ce que tu as dit, tu l'as dit. Le Dieu incomparable. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Dans la vie de mon frère, je t'adore. Dans la vie de ma sœur, je t'adore. Pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, nous t'adorons. Nous sommes protégés par ta main. Tu nous préserves, ô Dieu, de toute chute. Tu nous préserves du plan de l'ennemi. Seigneur, nous t'adorons. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Tu mérites l'élévation, l'honneur et la gloire. Sois élevé, bien-aimé, adore le Seigneur. Je ne sais pas qui ce Dieu représente pour toi, mais tout ce que je voudrais est que tu puisses l'adorer. Et c'est même l'objectif de ces moments. L'éternel Dieu, lui adresser nos problèmes bien sûr, mais aussi reconnaître qui il est dans nos vies, reconnaître qui il est dans nos familles, reconnaître sa puissance, reconnaître sa force dans nos vies. Adorons ce Dieu, adorons le roi des grâces, adorons le Dieu de paix, Sabaoth, Dieu tout-puissant. Tu mérites notre adoration, tu mérites l'élévation de grâce. Les cieux est ton trône, la terre, oh Dieu, et ton marche-pied, Seigneur. Yahweh, le Dieu puissant et glorieux, reçois l'honneur et la gloire. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Oh, toi qui nous agrées dans ta présence, oh Dieu, sans aucun prix payé. Oh Yahweh, pour que les autorités de ce monde nous reçoivent, ils demandent les audiences. Il demande le pourquoi de notre rencontre. Mais toi, Seigneur, tu nous ouvres tes portes, oh Dieu, et tu nous reçois dans ta présence malgré nous. Mon âme t'élève, Jésus. Mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Dieu de paix, sois élevé. Pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur, nous t'élevons. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, nous t'exaltons. Sabaoth, Dieu de paix et de grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Seigneur Jésus. Merci Shiloh. Bien-aimé, je voudrais que tu l'adores encore. Adore ce Dieu. Continue à l'élever. Tu quelques mots d'adoration pour ce Dieu. Qui ce Dieu est pour toi? Il représente quoi dans ta vie? Il représente quoi dans ta famille? Il est tout. Il est le fondement de ta maison. Il est le fondement de ton mariage. Il est le fondement de ton travail. Il est la raison de ton souffle de vie. Alors, rends-lui honneur et gloire. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Alléluia. Les puissants glorieux, nous te bénissons. Tu es bon, Seigneur.
Tu es bon, 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 tu es merveilleux. Alléluia. Puissant, glorieux. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Dans la vie de mon frère, sois élevé. Dans la vie de ma soeur, sois élevé. Maintenant même, Seigneur, sois élevé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, la puissance et la majesté. Seigneur, sois béni, sois exalté. La raison de notre existence. Les sujets de notre adoration et de notre existence. Seigneur, merci. Sois élevé, Yahweh. Lorsque tu fermes, personne d'autre ne peut ouvrir. Ce que tu as déclaré pour mon frère, pour ma sœur, arrivera. Voilà pourquoi nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. L'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni Seigneur. Sois exalté, ô Dieu. Tout est pour ta gloire. Dans les bons, tout comme dans les mauvais moments, Seigneur, rien ne nous empêchera de t'adorer. Car les circonstances ne peuvent jamais changer ton identité. Ta nature est inchangeable. Tu restes Dieu malgré les moments. Tu restes Dieu malgré les circonstances. Tu restes Dieu malgré nous. Seigneur, sois élevé. Qu'on t'adore pas, rien ne changera ta nature. Sois élevé, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Le Dieu de notre existence, nous te bénissons. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Nous voulons maintenant passer à l'étape d'exhortation ou de partage de la parole. J'aime cette parole. J'aime la parole de Dieu. Toute chose passera. Les ciels et la terre passeront. Mais il y a une seule chose. Et la parole du Seigneur. Et ce que j'aime est que la parole de Dieu, elle finit toujours par s'accomplir. Elle est éternelle et le gardien de sa parole. La Bible dit qu'il reste derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi place confiance dans la parole de Dieu que tu écoutes. Chaque moment que tu lis la Bible, que tu entends la parole de Dieu, une véritable parole de Dieu, alors crois que cette parole s'accomplira. Certainement, certainement. Voilà pourquoi je suis toujours dans la joie. Je suis toujours dans la joie chaque fois que j'écoute la parole du Seigneur, chaque fois que j'ai l'occasion de partager la parole de Dieu, je le fais avec joie. Parce que je sais que c'est vrai, ça va s'accomplir. C'est pour nous un moment d'encouragement, c'est pour nous un moment d'exhortation. Un moment d'écouter Dieu dans quelques minutes. Vous rappelez juste quelque chose. Alléluia. Nous allons lire le psaume toujours, psaume 46, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au chef de chantre des fils de Corée, sire à la motte, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je répète encore. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le deuxième verset, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je répète encore cela. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cours de mer. Wow. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Pourquoi?
si vous faites référence à la parole que nous avons partagée la fois passée, au thème que nous avons partagé la fois passée, nous avons parlé de la foi. Parce que nous croyons que l'Éternel Dieu est notre secours, parce que nous croyons que l'Éternel Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous sommes sans crainte. Bien-aimés, les moments que nous traversons actuellement, le moment est bouleversé. Les gens se posent de multiples questions. Mais je voudrais vous rassurer. Je voudrais rassurer quelque chose à un enfant de Dieu. Même si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment, j'en profite, de donner votre vie à Christ. Mais le plus important, c'est que je voudrais que vous puissiez quand même retenir aujourd'hui, dans notre programme de Pray and Worship Time, je voudrais que vous puissiez retenir une chose. L'Éternel Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Le bouleversement peut être la situation actuelle. Ça peut être une situation que vous vivez particulièrement dans votre vie. Peut-être que vous avez perdu votre travail. Peut-être que vous avez perdu le bien. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou je ne sais quoi. Vous avez connu ce bouleversement. Peut-être que vous êtes devant une situation auquel vous n'avez même plus de solution. La détresse, je ne sais pas dans quel moment de détresse vous vous retrouvez. Je ne sais pas ce que la détresse représente pour vous. Peut-être que vous avez une situation difficile. Peut-être que vous priez pour que Dieu bénisse votre mariage, pour que Dieu vous donne un enfant. Vous priez pour que Dieu vous donne le travail. Vous priez pour que Dieu vous vienne au secours dans n'importe quel domaine. C'est ça les moments de détresse pour vous. Une chose que je peux vous dire est que le moment que nous traversons actuellement n'est pas un moment de détresse pour tout le monde. Non. Peut-être que vous pouvez dire, ah, comment vous dites ça, parce que c'est une situation qui a frappé le monde entier. Effectivement. Mais ce moment n'est pas un moment de détresse pour tout le monde. Il y en a pendant ce moment, ils continuent à travailler sur leur projet. Et même quand les choses allaient encore mieux, il y a des gens qui étaient au point de se faire même du mal. Il y a des gens qui se retrouvaient dans des situations difficiles. C'était ça le moment de détresse pour eux. Mais peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, je voudrais vous rassurer une chose. L'Éternel Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et pour nous les enfants de Dieu, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est-à-dire, tu entends les cris de guerre à gauche et à droite. Les travaux ne marchent pas. Les projets sont bloqués. Tu n'arrives pas à réaliser certaines choses. Sois sans crainte. Que cela ne bouleverse pas ta foi. Que cela ne puisse pas t'amener à dire que Dieu ne te connaît pas ou Dieu n'entend plus. Non. L'Éternel Dieu entend. Il entend tes prières. Il entend tes supplications. Et je voudrais t'encourager, bien-aimé, à continuer à placer foi dans ces dieux. Parce qu'il est la détresse qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais plutôt. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ici, la Bible n'a pas spécifié dans telle détresse. Et là, on pouvait dire, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse liée, par exemple, au problème de travail, ou liée au problème de santé, ou liée à la maladie. Non. C'est dans la détresse, tout ce qu'il y a comme détresse dans votre vie. L'Éternel Dieu est le secours qui ne manque jamais. Alors je voudrais, bien aimé, que tu puisses placer confiance en ce Dieu. Je voudrais, bien aimé, que tu puisses encore avoir de l'espoir, dire que l'Éternel Dieu est là. Et être rassuré qu'à chaque moment que tu lui présentes ta situation, il est là, il t'écoute, il t'entend. Car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia.
Alléluia. L'Éternel Dieu est là pour nous. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, je voudrais que tu puisses placer ta foi en ces dieux-là. Même quand tu as essayé avec tes efforts, tu as fait tout ce que tu allais faire, même si on t'a donné une prophétie et qu'elle n'est pas encore accomplie, je voudrais que tu puisses encore être rassuré aujourd'hui que dans la détresse dans laquelle je me retrouve, l'Éternel Dieu et les secours, il ne manque jamais. Comme on l'a lu précédemment, que l'Éternel Dieu est notre refuge. C'est auprès de lui que nous pouvons trouver une véritable sécurité. Alors mes bien-aimés, je voudrais vous encourager à continuer à persévérer. Je voudrais vous encourager à continuer à croire, à placer confiance en Dieu. Parce qu'il est là. Il est là. Si vous n'avez pas retenu tout ce que nous avons dit du début jusqu'à la fin, je voudrais que vous puissiez retenir une chose. Que l'Éternel Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans n'importe quelle circonstance, l'Éternel Dieu est là. Continuez, bien-aimés, à placer votre confiance en Dieu et il vous fera énormément du bien. Alléluia. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sans crainte. Sans crainte, alors sans crainte. Nous entendrons des bruits de guerre, nous entendrons des bouleversements de choses, je ne sais quoi. Mais nous devons être sans crainte. Pourquoi nous devons être sans crainte? C'est parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est comme quand vous êtes à la maison avec vos enfants. Quand il y a un bruit d'aigueur, quand il y a quelque chose d'étrange qui arrive à la maison ou là où vous êtes avec les enfants, vous verrez que les enfants seront rassurés. Pourquoi? Disons, papa est là, maman est là. Ils seront rassurés. Ils n'auront pas la crainte. Vous pouvez, vous en tant que parents, avoir la crainte de ce qui va arriver. Mais les enfants seront, ils auront quand même l'assurance que papa est là, je suis protégé. Nous avons un père, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est plus que les parents de ce monde, celui-là est à côté de nous. Vous gémissez, mais en vous, vous dites, l'Éternel Dieu est là. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce moment. Et nous vous disons sincèrement merci pour être connecté à ces programmes. Et nous bénissons l'Éternel Dieu pour le reste des programmes. Et nous allons continuer avec ces programmes de prière et exhortation dans notre programme intitulé Pray and Worship Time. Et je vous demande de partager ces programmes avec vos frères, vos amis dans différents groupes. Et voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Seigneur, sois exalté. Nous te disons merci pour ces instants, Seigneur. Nous avons fait notre part et le reste est à toi, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Nous recommandons nos frères et nos sœurs qui nous ont suivis en télésentiment ainsi que leurs familles. Et nous demandons au Dieu que tu sois au contrôle et que tu protèges chacun d'entre nous. Et nous prions au Dieu que tu puisses nous aider à être sans crainte, ô Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Car, ô Dieu, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci pour tout. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.